Yo les gens, c'est Drak Survie. Aujourd'hui, on se retrouve sur Deadpan Dying Light. Aujourd'hui, on va essayer de jouer le tueur. Hein. On va essayer de jouer le tueur. Je dis pas que je vais réussir ou quoi que ce soit. Le tueur est très compliqué à jouer. Mais on va essayer de faire au moins une game correcte. Et puis, on fera une partie en survivant parce que j'ai pas envie non plus de jouer. Tout le long un monstre parce que clairement le monstre est vraiment très difficile quand on n'a pas l'habitude d'y jouer, c'est très très chiant, surtout quand on tombe sur des personnes qui ont l'habitude et puis qui font que tourner là. Pour ceux, je pense que pour comme moi qui n'ont pas l'habitude du jeu, ben vous suivez tout le temps le même personnage et c'est vrai que c'est chiant quoi. Donc voilà, donc on va chargement actualité. Alors attention, James. Ok. Ok, d'accord, il y a pas. Ok, Rich Close. Utiliser le pouvoir de cloche. Frapper 4 fois un survivant. Cloche, c'est clic cloche. Oui, parce que je joue la harpie, moi. Je joue la harpie, mais... Cloche, c'est lui, cloche. Oh non, c'est bourreau. Lui, il fait peur. Lui, il fait peur. Sur tous les monstres sur lesquels je suis tombé, qui fait vraiment peur, c'est lui. Parce que on le reconnaît. Il y a la musique dès le départ qui joue et on sait qui c'est. Non, je... Jumeaux. La mort. La lance mort, ok. L'Oni pour ceux qui connaissent. Clown. L'esprit. Légion. Cochon. Oh putain. Cauchemar, cannibale. Bah, je comprends pas. Alors attendez. C'est pas méchant qu'il faut que. Attendez, je regarde juste. Je regarde juste. À part si on a eu un nouveau survivant de débloquer, mais. Bah ok, bon, on va jouer... j'ai joué le monstre. On va déjà jouer le monstre, parce que tant que ça charge, on n'est pas de trouver une couille. Niveau 10, on passe déjà. Faut vraiment prendre ce qui est le plus intéressant, je trouve. Puis on verra si on peut pas s'acheter quelque chose. Éclat, monnaie, progression. Ouais, je pense qu'on ira voir combien ça coûte un petit skin, un petit truc pour la harpie. Alors ça dure longtemps, je verrai, je couperai peut-être au montage ou pas, ça dépend comment ça se déroule, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui jouent, hein, qui jouent monstre, et c'est ouf. Parce que la dernière fois on avait joué, mais je trouvais que ça durait trop longtemps. Mais je pense qu'il y a beaucoup, ça doit être beaucoup plus compliqué de trouver une partie. Parce que je pense qu'il cale quand même au niveau des niveaux. Donc je pense quand même. Ah ouais. Puis bon, vu l'heure, je sais pas s'il y a beaucoup de monde qui joue. Alors. Alors. Bon, maintenant.
Mince. Ça c'est... Jeton sanglant. Tenue. Dommage qu'on puisse pas les voir et puis qu'on se dire, bah tiens... Et ah, alors le souci c'est que bon, des fois on trouve une partie, mais la plupart du temps c'est le chargement de l'autre côté, parce qu'il y a beaucoup de chargements je trouve pour un jeu comme ça. Et c'est des personnes qui jouent souvent, j'ai l'impression. Ok, ils sont tous partis, il n'y en a plus qu'une, ça c'est pas cool. À part s'ils changent de perso, je sais pas du tout si ça nous... l'habitude de jouer, j'ai l'impression. Quand tu vois des personnes qui ont qui sont habillées tout en noir la plupart du temps ah, par contre il y en a, ils ont des pseudos. Ah, c'est les mêmes. Ils sont pas... Oh non, il y en a une qui a une lumière. Bon. Bah en fait, je suis en train de me dire, la lumière, c'est pas le niveau. Hein. La lumière, vous pouvez la voir assez tôt sur des personnages. Je pensais pas que... Parce que moi, j'ai un personnage où j'ai la lumière. Et clairement, c'est pas... Bon, faut pas qu'il y en ait un qui quitte entre temps. Une graine et une graine. Ok. Ok, bon. C'est mini Halloween. J'espère qu'il n'y en a pas un qui va quitter entre-temps parce que ça coûte rien. Ça fait pas de points et c'est chiant. Surtout que là j'aurais perdu 9 minutes à rien branler. Donc ça va, c'est... Alors je tourne à la suite de The Crew. Hein, pour ceux qui demanderaient. Je tourne à la suite de The Crew 2. Donc c'est peut-être... The Crew a mis un peu de temps. J'ai mis 40 minutes de vidéo. Donc pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo et puis qui ne sont pas allés regarder The Crew, je vous invite à aller regarder The Crew. À la fin de la vidéo, de toute façon, vous avez juste à cliquer sur l'icône The Crew. Et puis voilà. Ah, c'est bien, c'est cool. Merde, c'est vrai. J'ai pas l'habitude. Il y en a un à l'intérieur.
Tu t'es téléporté. Alors là, par contre, la téléportation qu'elle m'a vient de me faire. Comment on fait pour monter? Ah, saleté. Je les pourchasse pas quand je vois qu'ils sautent ou quoi que ce soit, quand je vois que ça devient un peu trop. Encore toi? Mais attends, mais sans déconner, je t'ai tapé combien de fois? Elle se TP, alors c'est sympa. Elle se téléporte, ok. C'est pour ça que j'arrive pas à les suivre. C'est chiant ça quand il se téléporte. Tu suis quelqu'un, l'hôte? L'hôte, elle se téléporte. Oh là là. Puis j'aime bien, elle est tout le temps guérie. Oh là là, putain! Attends, je l'ai touchée combien de fois, elle, là? Hein? Tout le temps guérie, et puis... alors, à part si c'est pas la même, mais... C'est chiant ça quand vous croisez quelqu'un et puis que vous lui tapez au moins 3-4 fois. Ah non mais... Attends! Genre, normalement, j'aurais dû l'attraper là! Chope là! What? Oh, j'en ai marre quand ils font ça. Ça, par contre, c'est chiant parce que vu la... Oh, mais...
Oh non mais c'est chiant. C'est chiant parce que le truc c'est que... Alors je sais pas si c'est moi qui lag ou quoi, mais le truc c'est que vu comment elle bouge, c'est chiant. C'est du gros n'importe quoi. Les... Bah ouais, mais il y en a une autre là-bas. Oh putain, mais faut qu'ils arrêtent, hein. Ah, oh, puis ça met trop... Mais genre, mais... C'est n'importe quoi. Bah ouais, n'importe quoi. Ça, par contre, c'est débile. C'est débile comme système de mettre un grillage. Vous tuez quelqu'un, vous lui mettez par terre, vous pouvez même pas le récupérer. C'est complètement con. Sérieusement. Hein? Puis alors, faire des trucs comme ça, c'est n'importe quoi. Hein. Parce que je sais que pour ceux et celles qui sont en train de se dire, ouais, mais c'est tout à fait normal. Non, non! Je suis désolé parce que quand vous tombez sur un méchant qui balance des couteaux et puis qui vous fait chier tout le long de la game, franchement, non, je suis désolé, c'est pas normal. Hein? Parce que là, la harpie, le truc c'est que c'est que ses doigts, vous êtes obligé de vous coller à elle, qu'il y en a certains, ils vous balancent des couteaux, ils vous balancent des trucs, ils vous balancent des haches, et franchement, hein? Ça c'est comme les monstres qui sont marqués faciles et puis qui sont pas marqués difficiles, hein? Comme l'autre avec sa tronçonneuse, hein? Quand t'as pas l'habitude, hein, ils le voient bien, hein, les gens, hein. Casser les pieds, là. Ah non, et puis là, franchement, les monstres, je sais pas, tu... Moi, je l'ai vu stepper, alors je sais pas si à la cam, on la voit stepper, mais... Donc, ouais... Pas... Non, franchement, alors on va faire un survivant pour voir sur qui on va tomber. Je joue un autre perso, moi. Tiens, bah, je vais jouer. Allez, hop. Non, franchement, alors je sais pas, alors c'est peut-être parce que j'ai peut-être pas l'habitude ou quoi en tueur, mais franchement, quand vous tombez sur un tueur qui vous balance des couteaux et que pourtant vous courez super vite ou quoi que ce soit, franchement, normalement j'aurais dû la récupérer sur le bas de la porte, normalement. Mais non, pas du tout, hein, je l'ai pas récupéré ou quoi que ce soit.
Bon, de toute façon, même si tu perds, de toute façon, tu gagnes des points, donc c'est quand même déjà pas mal. Mais c'est vrai que le tueur... Quand t'as pas l'habitude de l'utiliser, c'est chiant, quoi. Puis je sais pas combien de fois elle a été guérie, mais... Clairement, elle a été guérie beaucoup plus de fois qu'il le faut normalement. Parce que normalement, c'est 3 fois le kit de bandage, je crois. 3 ou 4 fois sur une personne. Si je me trompe pas, hein. Si c'est ce que j'ai lu. Parce que normalement, tu peux l'utiliser qu'un certain nombre de fois. Ou ça se recharge, je sais pas. Je sais pas du tout. Je pense que ça doit se charger, mais quand même. C'est pour ça, jouer avec des amis, ça devrait être beaucoup plus intéressant, beaucoup plus rigolo sur ce jeu-là. Que ça soit en survie, que ça soit survivant ou tueur. Je pense que. Hop. C'est quoi ce time là? Pourquoi il y a un timer? Pourquoi il y a un timer? C'est quoi ce timer? Il y a un timer. J'ai un moteur de fer. Ok, c'est pourquoi le temps a changé là tout d'un coup. Ah putain! Foot. J'aime pas quand les gens arrivent parce que le truc c'est que ça accélère le. Merde. Pourquoi j'ai un timer sur moi? Oh mais... Deux coups. Deux coups. Sérieusement, et puis il me pourchassait moi. Alors là,
Oh non, il va pas camper là! J'ai horreur des gens qui font ça, qui jouent camp! Ils jouent camp, ils sont chiants! Déjà? Mais putain, mais... Genre, il savait que j'étais là! T'as même pas le temps de faire quoi que ce soit! Putain, alors là, ça, j'ai horreur, hein. Les monstres qui squattent les zones, c'est chiant, hein. Ah bah ouais, bah ils vont pas venir m'aider, là. J'ai horreur de ces monstres qui squattent la zone. C'est n'importe quoi. Putain. Ça, j'ai horreur des gens qui font ça. Parce que alors là, par exemple, vous avez remarqué, il y a pourtant un temps normalement de recharge quand il tape, mais non. Non, non, il a pas eu de temps de recharge, lui. Hein? C'est... Bon, on va se laisser là. Bon, bah, deux games de merde. Super. Alors, franchement, les monstres qui squattent la zone, ça devient n'importe quoi. Clairement, je suis niveau 8. Niveau 7. Clairement... Il y en a, tu te demandes si c'est si c'est pour faire chier leur monde ou quoi, mais... Je suis niveau quoi? Je suis niveau 8, ouais. Super. Bon bah déjà, on va récupérer ça. On va déjà... Augmente les compétences niveau 3. Ah bon? Ok, d'accord. Première en fleuve franchi, un peu commun. Ok. On va améliorer notre harpie. Donc là nous avons eau sanglant. Ça c'est bien. Bon, j'ai plus de points. Bon.
Ah oui, je voulais voir pour les éclats, donc on va aller faire un tour. Partie personnalisée, boutique. Voyons voir un peu si c'est ce qu'on utilise et ça. Ah ouais. D'accord. Ouais, c'est pas avec ce que j'ai que je vais pouvoir me payer quoi que ce soit. Pouah, putain. C'est trop cher. Il n'y a même pas y a même pas un truc Putain, il n'a même pas de personnalisation lui. Alors là, par contre, zéro. Hein. Par contre, tu gagnes peu pour gagner. Pour alors là, c'est vraiment con. Hein. Alors là, surtout qu'en plus les pièces jaunes, ben, c'est pour acheter le skin. Ah ouais, c'est pour acheter le skin. Léon. Alors, je suis vraiment dégoûté là. Par contre, j'ai pas regardé pour les tueurs. Attendez, parce que. Tu vois la harpie? Ah ouais, mais. Par contre, il y a des skins qui sont pas mal. Alors là, par contre, elle fait vraiment flipper. Elle fait flipper celle-là. Pareil, celle-là, elle fait flipper. Hein. Oh, la gueule! La gueule de la harpie, quoi. Là, elle fait mémé quatrième art. Par contre, il y a des skins qui devraient être intéressants. Lui, par exemple, Edouard. Mais là, il est monté. Il est monté sur tes ruines, là. Oh putain! Alors, ce qui est vraiment dommage, c'est que on est obligé de payer un truc pour avoir des pièces, quoi. Bon, vu que moi j'ai que le Game Pass, donc je vais pas me payer le skin. Je vais pas payer de quoi que ce soit pour le moment. Mais c'est vrai que il y a certains skins qui pourraient être intéressants, qui sont vraiment très beaux. Mais c'est trop cher pour un jeu comme ça. C'est vraiment trop cher. Donc quand on regarde bien, s'il faut payer le pass de combat, bah le pass survie, hein, on va dire. Si on doit payer le pass survie, plus les skins, plus. Des machins, plus des machins, plus des machins. Ah bah putain, à un moment donné, on s'en sort plus, hein. Par contre, j'étais en train de me dire, je sais pas où je l'ai vu le pack premier pas. Je sais plus du tout où je l'ai vu. Bon, bah, les amis, c'est sur ceci qu'on va se laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, bah, j'ai fait de la merde cette semaine aujourd'hui. Faudrait que je m'habitue. Faudrait que je joue un peu plus. Que je regarde un peu plus. Mais c'est vrai que. C'est vrai que c'est très chiant. De se faire choper par des monstres. En fait, les gens jouent surtout ceux qu'ils apprécient et tout ça. Mais c'est vrai que quand t'as pas l'habitude, ben, c'est un peu chiant. Bon bah les gens, c'était sur ceci, on va se laisser. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à mettre la cloche. Pour ceux et celles qui voudraient aller revoir la première vidéo que j'ai joué que des survivants tout compte fait, je vous laisse
le petit point d'interrogation qui est juste ici, vous pouvez aller cliquer juste en haut à droite de mon écran normalement qui va s'afficher maintenant. Et pour ceux et celles qui voudraient aller regarder d'autres vidéos d'hier ou avant-hier, je vous invite à cliquer sur la petite icône qui devrait s'afficher en bas là normalement. C'est du The Crew, la dernière normalement, et on se dit à la prochaine. Peace les gens.